François Hollande considère que c'est une guerre contre un ennemi intérieur terrible. Pas du tout, il y a trois jours Et avec, comme le disait M. Filliu, une cible, épicerie cachère, c'est pas hasard, et puis un certain nombre de personnes. Alors, une guerre idéologique. Information très importante toujours, hein. Audrey Goutard nous l'a confirmé. Il y a bien. Voilà, merci pour toutes ces informations, Thierry Curté. Bien sûr, on va vous retrouver tout au long de cette édition spéciale. Autre information concernant la prise d'otage à Vincennes. Hein. On l'a dit, les élèves sont confinés dans les établissements, dans une dissimulée dans l'entreprise. Le GIGN, le RAID sont positionnés sur place ainsi que d'importantes forces de police. C'est le GIGN qui, là, mène l'opération. Quelques heures plus tard, c'est il y a moins d'une heure, cher, donc juste aux portes de Paris. Et Audrey Goutard vient de nous le confirmer à l'instant. Audrey, vous nous le confirmez encore. Il y a bien des otages retenus dans cette épicerie fine cachère. C'est en tout cas ce que.